J'étais déjà beau gosse. Donc le groupe aujourd'hui, nous sommes quoi? Le 4 mai 2017 à Mont-Saint-Pron, Libos. Et le groupe est réduit, donc on est avec Philippe et moi-même qui suis au micro et Philippe qui est derrière qui cherche le son. Ah. Ah ouais. Ça sent le gaz depuis tout à l'heure. Ah oui. Mais c'est peut-être c'est, non, c'est là-bas, c'est il là-bas. Rallumé, mais il y a peut-être un. Non, problème. c'est pas lui, c'est l'autre là-bas qui doit être. Il d'un seul côté il fait, donc ça va maintenant. Voilà, on change de micro. Tu as croqué le micro du musicien, maintenant pour celui de réalisateur, mais pas que, puisque tu fais un peu tout, acteur, producteur, réalisateur, distributeur aussi, puisque le film a quand même une histoire un peu particulière, tu l'as tourné en 2008, c'est ça? Jamais sur terre il n'y a eu d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Faut dire je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une pauvre vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel l'avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. L'on avait tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache. Puis qui vous mène par le bout du cœur. Donc rebonsoir. La chanson que je vous chante là, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, quand vous allez voir le début du film. Donc le film que vous allez voir est tourné dans une très très belle ville qui s'appelle Ouidah. Et Ouidah a été le plus grand comptoir de la traite négrière et c'est le haut lieu du culte vaudou. Quand on parle du vaudou dans le monde entier, c'est cette belle ville que vous allez voir tout à l'heure. Et le film, effectivement, comme il a dit tout à l'heure, on l'a tourné en 2008. On l'avait tourné en format cinéma, donc en 35 mm. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore le numérique, il fallait tout transférer en numérique, on n'avait pas d'argent du tout. Donc on a laissé de côté. Et il n'y a pas très longtemps, au mois en 2016, février 2016, on l'a sorti en DVD, en format DVD, donc le mauvais format. Et tout ce qui était en plan large était très flou. Donc, mécontent. En même temps, j'ai perdu ma grande sœur. J'ai retiré ce DVD de la salle à Paris. Et puis après, donc, on a quémandé de l'argent à gauche et à droite. On a emprunté de l'argent auprès d'une banque. Et on a réalisé le CD que vous allez voir là, la Don du Bonheur. Donc, vous avez écouté quelques chansons, pas tout. Et donc ce CD-là coûte 10 euros, ça nous permet de rembourser le CD et l'emprunt de la banque. En gros, c'est que quand vous allez voir le film, si vous pensez que le film est génial et que moi-même qui suis en face de vous, je suis bien, donc je vous conseillerais vivement d'acheter ce CD et que je vais vous dédicacer. Et l'argent ne va pas me permettre d'aller acheter ma 450e villa au Bénin, ni aller trouver ma 250e maîtresse, mais non.
L'argent ira auprès de la banque pour essayer de rembourser le DCP, puisque l'argent qu'on a emprunté à la banque a permis de faire le DCP que vous allez voir ce soir. Donc l'image, elle est vraiment belle et tout ça. Donc voilà, et le DCP, c'est le format numérique. Donc voilà, avant c'était de l'argentique et aujourd'hui, sans le DCP, on ne passe nulle part. Et pendant longtemps, on a galéré. Et je tiens en même temps avant d'oublier, parce que j'ai souvent la mémoire très très courte, je deviens amnésique, mais je vous parlerai de l'amnésie tout à l'heure. Je tiens à le remercier, ce garçon qui est là, parce qu'ils ont œuvré avec son copain de l'autre côté, le Saint-Livrat qu'on va voir tout à l'heure, Alexandre, et pour que je sois là, parce qu'en ce moment, je fais une grande tournée en Savoie, Haute-Savoie, pour présenter le film. Et qu'ils ont tout fait pour que je sois là, et je suis très très heureux, sincèrement, d'être ici, et d'avoir une salle aussi pleine, par rapport à d'autres endroits où il n'y a pas du peuple. Je tiens aussi à remercier tout de suite, avant d'oublier, et M. Pierre Constantin qui est là, qui me filme depuis longtemps, c'est mon assistant depuis des années, il me suit depuis presque 20 ou 30 ans, on est ensemble. Il a commencé. Et que bon, c'est le premier à croire en moi et qui continue de croire en moi, qui me suit partout. Parce que quand j'étais dans le creux du vague, mais on peut le dire, et qu'on ne pouvait rien faire, c'est lui qui est allé chercher son argent, qui a réalisé, qui a produit complètement ce CD. C'est lui, tous les éléments promotionnels que vous voyez, les affiches, les cartes postales, tout ce que vous voyez, c'est lui qui a pris son argent, qui a fait tout ça. Donc ça fait longtemps qu'il nous suit. Dans le film, vous le verrez, ne croyez pas qu'il est placé là pour rien du tout. C'est parce qu'on travaille ensemble et tout ce que nous faisons ensemble, on a dépassé déjà tout ce qui est noir, blanc, machin. Donc les gens croient qu'on l'a placé dans le film juste pour rien du tout. Donc tout à l'heure, ouvrez bien les yeux, parce que comme je suis très fort et professeur, à la fin, je vais vous poser des questions. Je vais faire une interrogation écrite et pour quatre fois, je suis méchant. Donc, alors, pour vous laisser tranquille, je vous dirai une bonne projection à la fin. Je reviendrai, je vous dirai de très très belles choses par rapport au Bénin, par rapport à mon travail et pourquoi nous sommes ici. Bonne projection à tout à l'heure, monsieur. Merci. 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 Ça y est, j'ai trouvé une femme. Au revoir. Bonjour, je suis bon, c'est super. Je souffle de la joie.